Ben voilà, je vais essayer. Là, vous avez vu, coucou, je vous ai mis un tout petit peu, comme d'habitude, un petit début de vidéo en musique. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc, je ne vous avais pas montré mon éléphant terminé, je vous l'avais mis en short, mais il y en a qui ne le voient pas, donc je vous l'ai mis. Je vous ai mis aussi le dernier dessin que j'ai fait. Je pense que c'est un caïman, un dragon, je sais pas quoi. Je viens de le terminer il n'y a pas longtemps. J'ai monté ma vidéo en dessin, enfin en coloriage. Je l'ai monté en musique, c'est beaucoup de musique. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Comme je vous disais dans cette vidéo-là, il y en a que ça leur plaît, il y en a d'autres que ça ne leur plaît pas. Mais comme je vous ai dit, ne vous rendez pas malade si vous regardez mes vidéos. Vous ne les regardez pas si ça ne vous plaît pas. Voilà. Donc vous avez vu, ma coiffeuse est passée. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais encore, mais bon, ils sont déjà plus courts, ils sont mieux. J'ai pas vraiment grand-chose à vous montrer, mais j'ai dit, je vais quand même leur parler. Hier, j'étais au loto. Alors avant, je voulais faire un petit coucou à ma belle-sœur. Monique, si tu m'écoutes, je pense que tu m'écoutes. Oui, c'est une Monique, elle a exactement le même nom que moi, le même prénom, le même nom de famille. Et nous nous sommes mariés à la même mairie avec le frère. Mon mari, c'était le frère de ma belle-sœur. Voilà. oui, je voulais te faire un petit coucou. Elle est sur son lit d'hôpital, là, pour l'instant. J'espère que ça va se remettre, que tu vas bientôt rentrer chez toi. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais que tu me regardes. Je sais que tu as regardé mes cartes de petits chats. Donc j'en profite pour te faire un petit coucou, un petit bisou, parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, que tu sais très bien que je ne peux plus venir là-bas. J'espère qu'on se reverra quand même un jour, mais j'en profite pour lui parler là parce que je ne peux pas lui parler au téléphone. Voilà. J'irai pas plus loin dans les détails. Mais je sais qu'elle me regarde. Voilà. Donc, coucou, ma belle-sœur. Essaye de te rétablir assez vite. Et puis, coucou à mon beau-frère aussi. Et je vous souhaite plein de courage à tous les deux. Donc, oui, je vous disais que je ne sais plus, ça y est, parce que je voulais vous dire, et j'ai dit, il faut que j'y fasse un petit coucou, parce que je sais qu'elle me regarde, alors c'est bête, quoi, que je ne peux pas communiquer. Voilà. Oh, j'irai pas plus loin dans les détails. Voilà, je suis à fond dans ce bouquin-là, dans les créatures de Ken Matsuda, là. J'en ai encore pas mal à faire. Il y en a sûrement que je ne ferai pas parce que ça ne m'inspire pas du tout. Mais il y en a encore pas mal que je vais pouvoir faire. Hein. Ça, je sais. Il y en a un là qui me plaît bien, c'est celui-là. Voilà. Celui-là me plaît bien. Enfin, ils me plaisent tous. Hein. Parce que je dis il y en a qui me plaisent. Mais quand vous en avez fini un, vous avez envie d'en recommencer un autre et ainsi de suite. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup plus de bouquins de Ken Matsuda, hein, d'ailleurs, parce que j'ai cherché pour voir si je ne pouvais pas m'en trouver un autre. C'est pas évident. Voilà. Ma coiffeuse est passée. Je ne sais pas si je vous ai dit. Demain, mardi. Aujourd'hui, puisque vous allez avoir ma vidéo le mardi. J'ai rendez-vous avec mon toubib à 12 h parce que comme j'ai eu des grosses quintes de toux, c'est pas que je suis pas malade, hein, mais je suis fatiguée quand même. Et comme je dois y aller pour le renouvellement de mes médicaments, j'ai dit bah autant faire du pire deux coups. Hein. Je vais aller le voir en même temps et lui demander quelque chose pour me soulager un peu parce que je pense que les bronches sont prises un petit peu. Quoique ça s'est pas mal dégagé depuis 2-3 jours, avec les médicaments que j'avais pris à la pharmacie. Mais bon, c'est pas une solution. Alors, ne me dites pas, tu t'es fait vacciner contre la grippe, tu t'es fait vacciner contre le Covid. Je sais que demain, je vais avoir des reproches par mon toubib, parce qu'il va me dire, vous ne l'avez pas fait. Ben, je vais dire non, je ne veux pas le faire.
Je veux pas. De toute façon, je veux pas. Attendez, je retire mes lunettes parce que je vous vois toute trouble. Enfin, je me vois toute trouble. Donc, je mets mes lunettes pour colorier. Hein. C'est pour colorier et pour regarder mon téléphone de près. Sinon, je ne les mets pas. Tiens, le voisin est revenu, je l'entends. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas là et j'entends. Oui, il me semblait bien avoir entendu le chien tout à l'heure. Donc, ouais, je vais aller le voir demain pour le renouvellement de mes médicaments de 3 mois. Et en même temps, me donner peut-être quelque chose pour là. Voilà. J'espère que je n'ai pas grossi, parce que sinon, si j'ai grossi, il va pas être content. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être les fêtes. Alors, il faut pas qu'il s'attende à ce que je perde beaucoup de poids. Donc oui, hier, j'étais au loto. Je vais vous faire un blabla, hein, parce que j'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc, je vais pas vous montrer quand je fais ma vaisselle, quand je fais à manger et tout. Y a rien d'intéressant. J'ai été au loto hier, mes amis sont venus me chercher à 9h30 du matin. Et on est rentré, il était 20h, 20h15 le soir. Hein. Ça m'a fait une bonne journée. Et ce matin, il fallait que je me lève. Je savais que ma coiffeuse venait à 9h30. Puis à 9h, elle était là. Heureusement, j'étais prête, ma douche était prise, mes cheveux étaient lavés. Elle avait juste à les couper. Mais ça, cette mèche-là me plaît pas. Ça me plaît pas. Et je voulais que ça soit plus aplati, là, comme ça. Je voulais. Moi, je vais essayer de me les aplatir, me mettre de la laque, tu vois. Enfin, ils sont pas mal, mais c'est pas encore ce que je voulais. C'est pas ça. C'est pas la coupe que je voulais. Enfin, bon. Mais bon, je la laisse venir parce que c'est bien pratique. Elle vient. Elle me coupe les cheveux tous les 2 mois, 2 mois et demi. Là, on a repris rendez-vous pour vers le 20 janvier. Et je lui ai dit si des fois je me faisais opérer des yeux, que je la préviendrais si ça tombait dans ces dates-là. Parce que, voilà. Donc, pas de souci avec elle. Et puis, voilà, quoi. Vous voyez, je fais toujours du feu. Là, j'ai retiré ma grosse veste parce que c'est vraiment pas beau en vidéo. Mais bon, j'ai colorié avec ma grosse veste. Hein. J'avais trop. J'ai pas si chaud que ça. Pourtant, le feu marche. Mais il y a du soleil. Là, ce matin, il y avait un brouillard, d'ailleurs. Vous avez dû voir dans mon introduction en musique, là, qu'il y avait du brouillard. Mais c'est vrai que c'est. Il fait pas beau le matin, mais la journée, bah, il fait beau. Hein. Mais comme je marche pas beaucoup, bah, je vais pas me balader. Hein. Puis de toute façon, pour me balader pour aller où, je n'en sais rien. Donc oui, alors je vais voir le docteur à 12h. À 12h, à midi, quoi. À midi, bah, mardi. Mardi 5. Ouais, on est le 4 aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, ouais. Mardi 5 à midi. Quand je vais sortir du toubib, ben, je vais aller faire des courses. Hein, parce que j'ai plus de fruits, j'ai plus de fromage, j'ai plus de liquide vaisselle, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, j'ai plus de ça, j'ai plus de ça. Donc je commençais à me faire une petite liste. Je vais aller faire mes petites courses. Si je me sens courageuse, j'irai peut-être faire un tour à Action, ce qui n'est pas sûr, parce que je n'ai pas vraiment besoin. J'ai besoin de cubes pour allumer mon feu. Ou alors une bouteille d'alcool. Hein. Je prends les deux des fois. Quand je trouve que ça prend pas assez vite, je mets un peu d'alcool et flouf, ça part. Ouh là là, Monique, fais attention avec l'alcool. Mais oui, je fais attention, vous inquiétez pas. Ah oui, puis il me faut de la bombe pour les araignées. Parce que ça commence à rentrer, les araignées, là. On en trouve. Je sais pas si je vous ai dit l'autre fois, le petit électricien qui est venu pour mon moteur de volet, là, qui doit me changer. Il m'a dit, oh là là, quand il a démonté le truc, il m'a dit, oh, il y a une bébête là. J'ai dit, c'est quoi comme bébête? J'ai dit, c'est pas une souris. Hein. Il me dit, ça aurait pu que ça soit une souris, ça grimpe. Il me dit, non, c'est une araignée. Mais il dit, elle est maouss, ça. J'ai dit, bah, il faut la tuer. Oh, il a pris son marteau. Puis il l'a tuée. Ah bah oui, hein, au grand mot, les grands remèdes. Hein. Et il faut que j'achète aussi une bombe pour les moucherons. Parce que les moucherons, je ne sais pas d'où ils sortent, ces saloperies-là. J'en ai toujours qui volent. De temps en temps, j'en vois un voler comme ça devant moi. Mais pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Donc, ben voilà. Et puis, je vais aller faire mes petites courses et tout. Donc, vous aurez un retour de course sûrement dans la journée demain. Enfin, dans la journée. Peut-être pas dans la journée parce que comme je vous aurais mis le vlog, enfin, je verrai. De toute façon, je verrai.
Alors, Amazon ne m'a toujours pas répondu pour mes colis perdus. Coco s'est renseignée aussi, puisque elle m'avait fait envoyer un colis. Ben, elle, ils lui ont répondu pareil. Il faut attendre quelques jours avant de savoir. Donc, ben, on va attendre quelques jours et puis on verra. Donc, il faut que je me rachète de l'encre. J'ai besoin absolument de faire des... imprimer des choses et il me faut de l'encre. Donc, ben, je vais en reprendre une cartouche à Leclerc. Ça m'ennuie, mais je suis obligée. Donc, quand, si je reçois l'autre, s'il me la rembourse, s'il me la remplace, et ben, ça m'en fera deux, et puis voilà, j'en aurai d'avance. Voilà. Donc, et ben, écoutez, sur ce, hein, je n'ai pas plus à vous raconter que ça. Donc, on va pas. Je vais marquer vlog, mais ce n'est pas vraiment un vlog. Pour ce soir, j'ai de la soupe, donc c'est fait. Je vais peut-être me faire cuire des œufs durs. J'ai envie de manger des œufs durs ou des œufs à la coque, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore dans ma petite tête ce que je vais manger. J'ai envie de manger des œufs, mais je ne sais pas si je les veux à la coque, si je les veux durs, si je les veux en omelette, si je les veux sur le plat. Ça fait longtemps que j'ai mangé des œufs sur plat et j'aime bien aussi. Donc, peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. Bon, ça, je ne vais pas le filmer, hein, c'est assez facile. Et puis, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, devinez, je vais me mettre dans mon fauteuil. Je vais faire quelques petits jeux sur mon téléphone. Moi, j'aime bien m'installer des fois sur mon fauteuil là. Les cartes, ben, j'ai arrêté d'en faire puisqu'il y en a assez. Les cadres, je vais les finir. C'est pas terminé. Il faut que je les termine, mais c'est pas ça. Ça sera pas long. Et puis voilà quoi. Ma journée va se passer comme ça encore. Demain, ma journée va se passer. On arrivera déjà au mercredi, et puis ça enchaîne, et puis ça enchaîne, et puis ça enchaîne. Ça passe très, 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 très vite. Voilà. Donc, puis après, il faudra que j'aille aussi à la pharmacie, mais la pharmacie, elle sera ouverte pas avant 2 heures. Alors, soit qu'il faut que je traîne à Leclerc et à Action jusqu'à 2 heures. Ça devrait être faisable, 2 heures, mais ça va me sembler long quand même, parce que moi, je fatigue assez vite. Excusez-moi parce que ça me gêne le temps. Et déjà les courses. Bon, déjà le tobie, j'ai rendez-vous à midi. Oh, si ça peut se faire à 2 heures. J'ai rendez-vous à midi. Bon, c'est pas sûr qu'ils me prennent à midi. Admettons qu'ils me prennent à midi un quart. On va dire qu'il y a un quart d'heure de retard. Des fois, c'est une demi-heure. Hein. On va dire un quart d'heure. Je vais ressortir à midi et demi. Je vais à Leclerc. Bah ben, oui. Je passe 1 heure. Trois quarts d'heure, 1 heure à Leclerc. Je mets dans la voiture, je file à Action. Bon, quand je repasserai à 2 heures, la pharmacie sera ouverte. Excusez-moi, je coupe pas, hein, je laisse. Hein. Vous connaissez, c'est la vie, vous savez aussi. Voilà. Ça sert à rien de faire du chichi, je me cache pas, je me. Voilà, donc on est toutes pareilles. Donc voilà. Alors je vous ai posé la question, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mes coloriages. Je repars sur plein de trucs. Hein. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Je sais qu'il y en a que ça leur plaît. Je sais qu'il y en a que ça leur plaît pas. Et bien, comme je vous ai dit, ne vous faites pas de mal à me regarder. Si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Voilà. Même les vlogs, hein, si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, est-ce que je vous ai dit qu'au loto, j'avais rien gagné? Non. Non, je n'ai rien gagné, mais j'ai passé une bonne après-midi avec mes amis. D'ailleurs, Annie et Jeanne, coucou. Voilà. Je ne sais pas si elle regarde toutes mes vidéos, Annie, mais je sais qu'elle en regarde pas mal. Donc bah là-dessus, sur ce, je vais vous laisser. Je vais monter mon petit vlog, donc, parce que je pense que je n'aurai pas grand-chose à vous montrer, à part aller chercher du bois. Mais vous m'avez déjà vu aller chercher du bois. Mettre du bois dans mon feu, vous m'avez vu faire du feu. Faire ma vaisselle, vous m'avez vu faire ma vaisselle. C'est répétitif, hein? Comme je vous ai dit, c'est répétiti répétita. Hein? Je vous ai dit ça dans un vlog, dans une vidéo. Répétiti répétita, c'est toujours pareil. Le matin, la vue, regardez ce que je regarde sur mon ordinateur. Et puis voilà quoi. Répétiti, répétita. Il n'y a pas. Je ne peux pas vous montrer autre chose. Hein. Je ne vais pas vous montrer quand je prends ma douche. Je ne vais pas vous montrer quand je fais mon lit. Je ne vais pas.
Je fais pas de repassage. Donc, je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer quand j'étais à mon âge, quoique je pourrais, hein, si ça vous intéresse. Mais franchement, je vois pas l'intérêt. Mon amaryllis, j'ai été obligée de le couper parce que, il est tombé et il était fané. Mais il y a l'autre qui commence à s'ouvrir. Donc, vous le verrez sûrement dans un début de vlog prochain. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais monter ma petite vidéo tranquillou. Chercher une musique, forcément. Il faut que je trouve une musique. Mais c'est des petites musiques qui durent une heure et demie. Une heure et demie. 1 minute 30 à 2 minutes. Hein. Je pense que c'est pas mal pour une introduction. Et puis voilà. Donc je vais vous faire un gros bisou. Oui, je suis un peu dans le sombre parce que j'ai fermé mes rideaux. Parce qu'il y a du soleil, mais je suis obligée de fermer. Comme j'ai pas mon volet que je peux baisser. Je suis obligée de fermer les volets parce que sinon j'ai les yeux qui ressortent de la tête. Alors c'est déjà pas beau, mais alors si. Hein. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou. Je vais monter ma petite vidéo. Je vais aller chercher du bois pour être tranquille ce soir et demain matin pour ne pas avoir à sortir dans le brouillard demain matin. Et puis voilà. Donc bisous. À la prochaine. J'ai un vlog pour rien dire. Hein. C'est un vlog. Pour rien. Mais c'est pas grave. Voilà, moi ça me fait parler et ça fait parler les bavards. Allez, je vous fais un gros bisou.